Bonjour tout le monde, ici Deadshot pour un Sack of Gaming numéro 3. C'était assez top, c'était assez pesant. Parce que moi, j'ai pas d'auto, j'en ai pas besoin. Et aussi parce que je suis écologique. Et voilà pourquoi j'en ai pas d'auto. Et parce que ça coûte aussi cher. Donc, Bag of Gaming numéro 3. Vous voyez, c'est assez pesant, hein? On se demande bien qu'est-ce que c'est. C'est super pesant, là. Oh là là! J'ai emmené ça en vélo. C'était super loin. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Oh! Faudrait peut-être pas que je le vire à l'envers. Je l'ai peut-être viré à l'envers, mais ça dérange pas. Un Xbox 360 Elite parce que j'ai j'avais soif. C'est super puissant, venez ça. Bon, donc parce que ça, comme je disais, comme j'ai la vieille version de Xbox, les premières générations. Mon Xbox, il laguait. Même les manettes ne fonctionnaient même plus avec. Il y avait trop de problèmes avec ces manettes-là, puis tout. Là, le seul problème, ça va être ma guitare de Guitar Hero. Je sais pas comment je vais faire pour brancher ça à mon Xbox. Parce que le petit bouton synchronisé, il est pété. Oh là là, j'ai ben hâte de voir ça. Ah, ça vient avec Skyrim et Forza Motorsport 4, 250 Go dans l'Xbox. Lui que j'ai présentement, il en reste un. Je sais que je peux aussi brancher des périphériques externes dans mon Xbox de première génération, mais l'affaire c'est que ça bug. Puis il est temps de changer d'Xbox. Ça fait trop longtemps que je l'ai, malheureusement. Et demain, j'ai aussi une grande nouvelle. J'ai quelque chose de nouveau qui m'attend demain aussi. J'ai vraiment, ça va être un grand changement dans ma vie demain sûrement. Ça m'excite pas, ça m'excite pas, ça me stresse pas, mais au contraire, j'ai comme ça va me faire, ça va faire bizarre d'avoir ça. Donc on garde la surprise pour demain. Et je vais aller installer ça tout de suite. Je vais tout de suite enlever mon Xbox. Ah, ok, ça c'était la première affaire du Sack of Gaming numéro 3. Encore une autre affaire dans le Sack of Gaming. Ça c'est. Je vais pas vous le montrer parce qu'il y a plein d'adresses privées là-dessus. Donc, ça, c'est le contrat de service de télécommunications, c'est avec Vidéotron. J'ai commandé un router pour pouvoir avoir Xbox Live et Internet en même temps. J'ai encore des problèmes avec ça. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo de la manette qui ne fonctionnait pas avec la première génération d'Xbox, dans les vidéos suivantes dans mon profil, de la précédente dans mon profil. Donc, c'est vraiment ça. Je vais l'avoir mardi, ça. Votre router, donc j'ai ben hâte de voir si ça va régler le problème. Si ça n'est pas le problème, je vais pas arrêter. Je vais continuer à trouver c'est quoi le problème. Si ça fonctionne pas avec un router, ça doit avoir de quoi en rapport avec l'ordinateur. Firewall, j'en ai aucune idée. Donc j'ai encore hâte de voir ça. Donc ça va être ça pour le Bag of Gaming numéro 3 avec Deadshot et Keep on Gaming. To play now.